T'as cru que c'était les foot ou quoi? Les frérots. Allez l'OM. Voilà. Vous voyez le temps qui est passé. Oh là là. Je suis toujours pour l'OM. Receba. On s'est jamais vu. Passera bonjour à ta mère. Les amis, Puma, Olympique de Marseille, aujourd'hui, on est avec le samouraï du Stade Vélodrome, a.k.a. Dimitri Payet. Il est là et on va parler. Ça va, Jim? Ça va. Comment va? Tu es prêt? Très bien. Nouvelle saison qui démarre? Ça démarre. Combien de buts cette année? Non, ça, je le dis jamais. Tu le dis jamais? Parce que tu les mets pas. Non, non, là, tu les mets pas. Ouais, tu dis pas. Alors, on est venu parler du nouveau maillot de Puma. Qu'est-ce qu'on pense? Nickel. Il y a les couleurs, il y a le blanc, le logo. Colin V, ça te plaît ou c'est pour les anciens? C'est pour la Ligue des Champions. Ouais, pour la Ligue des Champions. V, victoire? C'est ça. C'est Ligue des Champions. Donc voilà, on va découvrir les maillots ensemble, on va faire gagner des maillots, on va faire même gagner un maillot à toi de l'OM que tu vas signer. Parce qu'on est là, on rigole, on fait des blagues, mais on va vous faire kiffer aussi. C'est bon, qu'est-ce que vous voulez quoi? Dites-moi, Puma. Vous voulez quoi? T'as cru que c'était les foot ou quoi? Les frérots. Bon, tu dors. À ce qu'il paraît, il parle qu'en italien, il parle pas français. Ils ont pris quelqu'un pour traduire, c'est comment oui. Ça se passe? En anglais, parle anglais. En anglais, parle bien anglais? Ouais. Avec accent anglais? Non, très bien. Qui maîtrise? Oh, il y a pas mal. Ben, on a pas mal d'étrangers maintenant. Donc ouais. Quasiment tout le vestiaire, à part Pape Gay, il parle anglais. Pape Gay, il parle ni anglais, ni français. Easy artist, langage des signes. Pape Gay, on t'embrasse, frérot. Donc voilà, Dimitri, c'est bon, ça y est, c'est fini. Allez. On va faire signer le maillot. Enlève-le, c'est celui-là, le maillot. Non, c'est pas celui-là, on en a 3-4. On va retrouver torse nu. Allez, ça part sur eBay. Non, la vraie question, c'est tu trouves comment le nouveau maillot de Marseille? Non, il est incroyable, j'aime trop. La coupe? Bien carré. Le col en V? Carré aussi. Le col en V carré aussi? Voilà, on est en direct de la commanderie, on va interviewer une personne âgée au hasard. Oh Patrick, salut, ça va? Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour, ça va? Qu'est-ce que vous pensez du nouveau maillot de Marseille? Ben écoutez, là j'allais au Quai Corral, ça me fait plaisir de vous croiser au hasard. Ben franchement, il est beau ce maillot, franchement, il y a marqué l'OM dessus, ouais. Il y a l'étoile. Voilà, en direct de Marseille, voilà. Tout le monde est content du nouveau maillot, tout le monde est heureux, rien n'est truqué. Ouais. Allez l'OM. Allez, ouais. Patrick, c'est ton téléphone qui vibre? Ouais, c'est ma mère. Ouais, man. Receba. Ah. Hop. Tentative de vol en flagrant délit. Si tu prends le maillot, je t'offre le flocage. J'y vais là. Ah ben, tu prends le maillot et moi je t'offre le flocage. Voilà. Tu flocages ce que tu veux, tout, la totale. Nom, prénom, adresse. On te met tout derrière. Numéro de sécurité sociale, avis d'imposition. Tu te fais contrôler par la police, tu fais ça. Voilà, il y a tout derrière. Viens là, on va l'attraper, viens. Viens, Jules. Vous êtes un touriste belge. Ça fait plaisir d'avoir des Belges avec nous. Et dans l'église, un bar tabac. Voilà. Il n'y a qu'à Marseille. Tu rentres, il y a le prêtre. Tu dis bonjour, vous pouvez me pardonner de mes péchés. Trois, je vous salue Marie. Mettez-moi un Marlboro Light et un Paris en sport. Allez, vas-y, viens. Attends, vas-y, ouvre la porte. Vas-y, fais l'auto-reverse. T'as envie des moments ensemble. Vas-y, avance un peu. Vous me récupérez plus tard. Hein. Tu as mis les chaussures en bois. Hein. Pourquoi tu as mis les chaussures en bois? Tu es sorti avec les chaussures. C'est deux tables basses. Hein. J'ai envie de manger sur tes pieds. Dimitri Payet? Exactement. Le même, hein? Après l'accident. Après l'accident? Ouais, exactement. Comment trouvez-vous le nouveau maillot de Marseille? Magnifique. Il est beau. Il est beau. Quelle taille vous faites, monsieur? M. M, ben vous avez de la chance, on va vous offrir le nouveau maillot de Marseille. C'est pas vrai. Ben oui. Merci beaucoup. Bonjour toi. Where are you from? By Liverpool. Liverpool. By Liverpool. Do you know Marseille? A little bit. This is Marseille. This is the new jersey of Marseille. Oh, right. What do you think? Very nice. It's nice? Yeah, very nice. Monsieur, ça en bat les couilles. Lui, ça en bat les couilles. Regarde, on n'a pas double XL, monsieur, désolé. Frère, on dirait c'est toi le stade Vélodrome, Orange Vélodrome. J'ai envie de jouer à l'intérieur de toi, mon frère. Là, j'avoue que celui-là, je l'aime bien aussi. Ça va avec tout. Voilà. Bon, rends le micro, monsieur. Ah, le mec, il a pris le micro, il voulait présenter la météo. Il fera 27 à Bastia, 18 à Porticcio. Ça va, Zayen? Ça va très bien, toi. Comment tu trouves le nouveau maillot de Marseille? Ah, franchement, voilà, il est incroyable. Il est incroyable? Ouais. Il te plaît? Ouais, en vrai, il me plaît. Il te plaît? Tu peux faire 3 jongles du pied gauche? Ouais, bien sûr. Allez, vas-y. 3 jongles du pied gauche. 1, 2, oui!
Tu viens de gagner un maillot de Marseille. Non, vraiment? Bah oui. Toi, t'en as fait 4, mais on n'avait qu'un seul. Tu as fait un tour du monde. Mais oui, oui. Mais tu vas faire un tour pour rentrer chez toi aussi. Ah oui! C'est exceptionnel, on est à Marseille et nous avons la fusion de SCH et de Messi. Il est là. C'est moi. C'est moitié SCH, moitié Messi. Vous jouez la guitare, moi je chante. C'est moi qui chante. Vous savez où qui chantez? L'OM, il n'y a pas mieux que l'OM en France. Il n'y a pas mieux que l'OM. Ouais, c'est le meilleur club au monde. C'est le club qui il est connu dans le monde entier. Vous le supportez depuis quelle année? Oh, j'avais 12 ans. Vous avez 12 ans? C'était en noir et blanc? Ouais, et maintenant j'ai 86 ans. Vous voyez le temps qui est passé? Oh, allez! Je suis toujours pour l'OM. Spacito. Despacito. Attends, attends, tiens, viens. Voilà, mets-le. Nouveau maillot. C'est bon? Mets-le, tu peux le mettre. Eh bien, on va venir à Arles. C'est vrai. On va essayer de venir. Avec plaisir. Ben, Nora, merci, passez une bonne journée. Rang, hein. Jamais de la vie. Ah non, c'est bien. Parce que si vous. Eh ben, si vous venez avec ce rideau Qu'est-ce de douche. Ouais, le rideau de douche, direct. Ben ouais, j'ai envie de vous tirer. Eh ben, c'est des menteurs, madame. Marcher. Eh ben, ils vous ont volé, madame. Tu vas jongler, frère. Tu vas faire un maximum de jongles. Là, vas-y, c'est parti, c'est maximum. C'est moi qui te dis le chiffre. Allez, vas-y, tu es lancé. 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17. Oui, c'est gagné. C'est gagné. Oui, s'arrête plus, c'est bon. Marco, ouais. Tu as gagné la veste de l'OM. Allez l'OM. Tu dois dire allez l'OM. Allez l'OM. Allez l'OM. Allez l'OM. Allez l'OM. Allez l'OM. Allez un petit peu Paris. Allez un peu. Non. Ah voilà, je voulais te tester. Je voulais voir si tu testes, on récupère le truc. Joachim. Ça va Joachim, est-ce que tu aimes Marseille? Dis allez l'OM. Allez l'OM. Voilà, tu as gagné un ballon. Oh, c'est trop voilà. Facile. Voilà Joachim. Merci. Bougez pas, hein. Je dois faire passer le ballon. Vous êtes le mur, faites comme ça. Là, c'est pas vrai. Allez, un petit truc à la flûte. Ça, c'est les fans de Paris après la Champions League. Non, tu bouges pas. Comment tu t'appelles? Joanna. Voilà, Joanna. Oui. Ça fait quoi de vivre dans les années 70? Ça va? Ça va? Ça fait quoi de voir la vie en violet? Ça va aussi, tu veux essayer? Vas-y, je vais tester. Ça. Oh yes! C'est incroyable, hein? Oh! La vie est plus belle! Oh, j'ai l'impression d'être SCH, madafak! Puto! Les amis, on avait fait le petit jeu concours, on faisait gagner le maillot de Marseille dédicacé par Payet. Et il repart avec Jovinko, frérot, merci, alors! Merci Redouane, c'est gentil. Content? Ouais, je t'arrive bien content. Voilà. Tu es le frère. Frérot. Voilà. Ben oui! Merci. Parce que les gens, ils pensent qu'on fait gagner que des gens qu'on connaît. Ou... Non. Il n'y a rien à voir. On ne se connaît pas. On ne s'est jamais vu. Passera bonjour à ta mère. Hein. Ben, les amis, Marseille, ville exceptionnelle. On a croisé des flûtistes, des danseurs de capoeira, des mecs qui ressemblaient au stade Orange Vélodrome. On a croisé des joueurs de foot, des anciens humoristes. Mais et le rockers, rock and roll, elle est là. Donc voilà, Puma, merci beaucoup pour voilà, 16 heures d'attente, 3 minutes d'interview.